On est bien là. Regardez-moi ça comme c'est tout joli, ces petites feuilles, ces pétales qui volent au vent dans tous les sens. Ce flou léger du soleil à travers les branches d'arbres qui signifie le printemps. Bref, tout plein de choses géniales. Tout plein de choses extraordinaires. Tout plein de choses bucoliques. Mais j'ai comme l'impression que vous êtes là pour autre chose, les amis. Eh oui, il est de retour! Devil May Cry, le 5. Alors j'ai attendu que tout le monde l'ait streamé pour, à mon tour, je vais prendre la manette en main et montrer à ces tas de noobs comment on fait du sushi de Strum. Alors, pour la petite histoire, faut savoir que Devil May Cry fait partie des titres que, comme beaucoup de monde, je porte en affection, puisqu'il fait partie de ceux qui m'ont fait acheter une PS2, entre autres. À l'époque, la PS2, je ne l'ai pas achetée uniquement pour Gran Turismo. Il y avait évidemment ce Devil May Cry qui était arrivé dessus et qui était juste extraordinaire. Le truc, c'est qu'on s'est quand même tapé plusieurs volumes avec une numérotation totalement incompréhensible, puisqu'on en est au cinquième jeu alors qu'il me semble qu'il y en a 6 ou 7. Et du coup, le jeu s'est un peu égaré par rapport à son gameplay d'origine, je trouve. À l'origine, c'était très 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 bourrin. C'était très 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 spectaculaire, mais c'était pas so casual, je trouve. Oui, il y a eu une casualitude qui a été héritée au fil des volumes, et qui fait que moi, personnellement, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Donc, sortie de DMC5, moi j'ai qu'une envie, c'est de retrouver le vieux Dante. Parce que les petits jeunes, là, j'ai rien contre. Mais à part leur look et les frais de coiffure qu'ils doivent engendrer, ils m'ont pas vraiment épaté. Alors on va foncer ensemble dans ce volume 5, voir la tronche que ça, sachant que moi je suis un vieux de la vieille et que j'ai pas du tout adopté les gameplays des versions récentes. Je vous laisse avec la musique, le temps du setup. Un affichage, vous avez un affichage, faisons l'amour. Tout de suite maintenant. Success. Bah ouais, quand tu lances le jeu, faut que ça gueule, forcément, c'est le début, faut que ça épate la galerie. Alors, je dois vous avouer que pour aboutir à cet écran titre, il a fallu que je lance le jeu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et vu que c'est Devil May Cry 5, à la cinquième, ça s'est mis à marcher. Vous y croyez? C'est la magie des bugs, du hasard et de la malédiction informatique, on va dire. Et du coup, pendant ces longs monologues où je désespérais que le jeu ne s'affiche pas, eh ben, j'ai dit beaucoup de conneries que vous n'aurez pas dans ce stream, c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment des trucs énormes.
fire from the heavens above. Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? How's it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we get personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Now to thank you for that. I have to do that in here. It already smells like ass. That's you! Hey, Nico? Don't lose your chance. I see him. Oui, vous l'avez entendu, mon enthousiasme est flagrant. Je suis pas très fan de service et je suis pas très. Bon, en fait, ce qui me déçoit, c'est qu'ils font voir dans une scène d'intro tous les mouvements classieux qu'on peut faire normalement pendant le jeu s'il est bien fait, quoi. Et du coup, bah, j'en viens à douter à me demander si c'est pas un cache-misère. Alors, je dois vous avouer que j'ai lancé le jeu. On a un petit préambule hein, qui est sympa, que je vous laisserai découvrir. Et puis après, on commence vraiment la partie où on va devoir déverrouiller les coups. Puisque Devil May Cry, normalement, si je ne me trompe pas, ça n'a pas changé. C'est un bonhomme qui a un bon art de la tatane, mais qui doit déverrouiller au fur et à mesure ses coups. Avec les fameuses orbes qu'on ramasse. On va voir si c'est resté dans cet esprit-là ou si c'est parti encore dans quelque chose de beaucoup plus casual qui va pas me rassurer, moi, du coup. Parce que les premiers Devil May Cry, et j'aime bien parler comme un vieux con en parlant de Devil May Cry, parce que le truc est pas si vieux que ça,
Les premiers Devil May Cry, c'était quand même très très sauvage, quoi. Il y avait très peu de réflexion, on bourrinait, il n'y avait pas 36 000 commandes, et du coup c'était agréable. Oui, l'hydratation avant la tatane, c'est très important. Donc je commence, je suis pas dompte, je suis déçu, moi je suis venu exprès pour le vieux quoi. Midlife power quoi. Il est pas si réussi que ça, ce fan service, hein? Ou c'est moi? D'accord, donc j'ai plein de modèles de bras. Mais moi j'étais venu pour Dante, j'en ai rien à foutre de Nero. Ah, enfin quelque chose qui va me correspondre, je veux ça. Alors moi je m'attends à ce qu'elle en sorte, hein, je sais pas vous, mais vous avez des idées, vous êtes comme moi quoi. Oui. Non, oui. Les trucs de Megaman. Je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais plus à un truc qu'avait Shoda Boy sur la tête pour les gens qui connaissent. Enfin bon. Ouais. Non mais moi je veux le truc avec les pattes dans ce cas-là. Moi je veux le pasta. Je l'ai repéré, il me plaît, je le veux. I need. Donc les skills à déverrouiller comme d'habitude. Les Devil Breakers. Alors je sais pas m'en servir de ce truc, il est assez particulier. De ce que j'ai compris, il vous fait des super coups pour aller au contact. Par contre, faut absolument pas être touché, sinon ça vous interrompt son utilisation et vous rebasculez en mode entre guillemets normal. Oui, je bouge pas. Oui. Oui, on verra plus tard. On a envie de jouer là. Les gens sont venus pour voir le jeu, je te rappelle. Ça fait 10 minutes qu'on parle. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Est-ce que j'ai de la thune? Ben oui, j'ai de la thune. Speed, je veux. Oui. Un table hooper. Il va y en avoir besoin. Y en aura toujours besoin de ça. Ça, on va patienter. On va commencer à équiper un peu la tatane. Yes, I want. On verra après. Ce qui est important, c'est effectivement. Je vous avais promis l'art du sushi avec les strums. Je tiens à vous faire une belle démonstration. Moi, je veux le. Moi, je veux le. Ça va être long, hein? Oui, ça c'était un de mes coups favoris. On verra plus tard. Merde.
là, mais il y en a un paquet en fait. Je regarde avec vous hein, les différents. Ça va faire mal ça. Ça va faire très mal. Et je veux mon roulette. Voilà. Ça va bien se passer, je pense. Exceed. Ça, je sais pas me servir de ces trucs. On verra plus tard, je pense. On va augmenter, hein. On va être pas mal là, je pense. Alors. Devil Breaker. Oui, vous êtes comme moi. Je m'en fous, je le veux. Je le veux, ce truc. J'ai envie de rigoler. Non, 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 ça va bien. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec ça. Juste pour que tu refasses. Mais le fan service, là, pareil, c'est pas assez bien fait. C'est cadré beaucoup trop. Regardez-moi ce pauvre papillon qui n'arrive pas à se libérer. Ok. Équipement. On a droit à quoi? Bah, pardi. Je vais avoir une classe. Mes amis, je vous dis que ça, quoi. On peut acheter des orbes patins ou fin, bon, que du classique. Allez hop, on dégage, on reviendra si nécessaire. On va aller se friter. On en est à combien de temps de stream là? 15 minutes. Ouais, c'est bon, on veut jouer. Rien de plein le dos là. Ça, c'est le syndrome des consoleux. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu es sûr que... Eh, oublie pas ton mouchoir, au cas où tu veuilles te moucher. Et oublie pas le petit paquet que je t'ai fait avec des petits biscuits, au cas où tu aies une petite baisse de forme pendant un gros monstre baveux qui te gerbe dessus. Alors qu'il mesure 3 immeubles, et que toi, t'es dessous. Oh, le look. Oh, le look. Yes, it's me. Pasta Breaker. Ça va déchirer, je sens. Nya. Alors, on a toujours le double saut, hein. Ok. Et en général, les combos. Je sais pas ce que c'était ça, mais ça devait pas être content. Hein, grumble. En général, les combos, ça marche par 3. C'est soit un appuyé pour charger. Regardez-moi cette belle onde projetée. Un appuyé pour charger, soit une série de 3 tapotages. Ce qui vous permet de faire du beau combo qu'on voit bien. Alors j'ai pas ma feinte. Il y avait une feinte avec arrière normalement. Il sait pas la faire ce con. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors j'ai remarqué dans la petite intro que vous n'avez pas vu, le petit préambule, qu'il y a une tendance très insectoïde pour ce volume de DMC. De DVC. Parce qu'il y en a marre, mon cul va falloir lui foutre taper un peu. Et donc on a le supramal qui est arrivé. Et nos 3 protagonistes. Nos 3 protagonistes. Qui ne sont désormais plus que 2 puisqu'ils ont dû abandonner Dante là-bas. Alors que c'était avec Dante que je voulais jouer. Je suis déception quoi. Alors le rang caisse, oui bon bah ça tout le monde en a parlé, hein, tout le monde a fantasmé dessus.
Alors le système de visée est pas top, hein. Alors il y a un truc avec son bras, je crois qu'il fait ça. Quand il le tire avec une espèce de corde. La gueule de beau gosse qu'il a fait, genre. Vous avez vu le bordel? C'est moi. Il y a une fonction, ouais, où il tire son bras avec une corde, soit pour tirer un ennemi vers lui, soit pour lui-même se rapprocher de... Ça veut dire qu'il faut aller là-bas. Moi, j'en suis sûr. Tout le monde est mort, c'est nul. Je m'ennuie. Envoyez un bad boy. Ok, ils sont jolis les props, hein. On est plus sur PS2 là. Un PP. Je n'ai toujours pas où utiliser mon bras pasta. Encore? Qui c'est qui reste? Tu m'as fait redescendre mon rang, espèce d'abrutos. Vous l'avez peut-être vu déjà dans de nombreux streams DMC. Je vais arrêter de dire DMC, je vais le dire en entier. Devil May Cry. Et donc, pour vraiment s'amuser dans ce jeu, faut vraiment enchaîner les combos et aller à la tatane, hein, plutôt que d'esquiver. Moi, je me rappelle. Alors oui, ça fait un peu vieux con, mais je me rappelle sur les premiers DMC, enfin, sur le premier DMC, ma grande erreur, c'était de vouloir protéger mon personnage en esquivant beaucoup. Et en évitant le contact avec les ennemis. Et du coup, souvent les combats devenaient longs et je faisais pas beaucoup de dégâts à l'ennemi, donc je me faisais ramasser à force de faire des erreurs. Et un des trucs à savoir dans Devil May Cry, c'est que oui, il faut y aller, quoi. Il faut aller à la tatane. C'est pas grave, vous êtes là pour mourir, de toute façon vous êtes déjà mort, quoi qu'il arrive. La tristitude, c'est quand tu ne sais plus où aller. Et c'est maintenant. Je vais aller dans ce tableau. Oui, je vais encore faire mon vieux con, oui, parce que dans le premier Devil May Cry, on pouvait regarder les tableaux. On pouvait admirer ces œuvres d'art. On pouvait... Vous n'avez pas idée de tout ce qu'on pouvait faire. Sérieux, récupérer une PS2, jouer au premier.
et essayez d'imaginer la sensation du gars qui a la première fois ça dans les mains. Bon, c'est la gâchette de gauche, j'ai pas figé à quoi il servait. On va essayer de s'en servir un petit peu. J'ai perdu mon bras à patte. On a récupéré une tique, c'est sympa. Comme animal de compagnie. On peut mieux faire. Non, mets pas ton bras là-dedans. Mets pas ton bras là-dedans. Une tique, ça sert à... ouvrir des portes. C'est assez original quand même. Je rigole beaucoup. Non, va là-haut. Ah, t'énerve pas, il n'y a pas encore de baston, on est tranquille, on est zen. On est tous des petits fonzies, comme dirait l'autre. Donc faut que je ramasse des bras, un bras utilisé, un bras foutu, tu n'en as plus. Garde-le pour l'utiliser à bon escient quand ce sera vraiment la vraie grosse panique. Dis sa voix à l'intérieur qu'on entendait tout haut. Et du coup, j'ai plus mon bras à patte. Quelle astuce. D'accord. Donc je vais aller là, moi. Le casse-couille excellent. Oui, c'est moi. Je suis perdu. Oh. Ok, ok. Donc faut que je trouve une optique et il va me faire revenir ici, je pense. Le salaud. Hop, hop, hop. Ça glisse, hein, le parquet. Oui, il faut que je monte, mais je cherche s'il n'y a pas un petit bonus, des fois. Bah oui, regarde. Tu vois? Hop, et là on peut y aller. Salut! Et mon plongé, tu le fais pas? Reste là, toi. Au truc. Tu vas où? Alors, il faut que je pense, parce que c'est entre les tableaux qu'on découvre. C'est entre les tableaux qu'on déverrouille les différentes options. Donc il y a un truc que j'ai pas fait. Il faut absolument que je déverrouille ce plongé quand il saute. Ça s'ouvre pas? Non, oui, non, peut-être. T'as une épée. C'est en bois. C'est en bois, t'as une épée. Arrête de déconner, s'il te plaît. Dante, il serait en face de ça, mais... Sale jeune. Oui, 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 oui. The Big Gamoski, les mid life gamers, c'est pas les potes aux petits Jones. On est là pour faire du mal, nous. On n'a pas envie d'être sympa. Je vais prendre ça. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Oh, encore un... Comment dirais-je? Ça tombe bien, je sais dans quel te mettre. Salut. Oh, que t'es beau, toi. Ce n'était pas très varié, mais, parfois, la variation, ça sert à rien. Ouais, c'est WAM. Finito? Plus personne pour danser? Sûr, sûr, sûr. J'ai encore des munitions, les gars, si vous voulez. Donc on va aller à la... Je vais appeler ça une moule, hein, quand même, parce que ça ressemble vachement à... Oui, on est dans un stream 18+. Hein.
clutch. Donc des tics dans la... Bah voilà. Bah oui, et ça me fait un passage. Admettons. Comment j'ai esquivé? Il n'y avait absolument rien, mais je l'ai esquivé, regardez. Bon, il y avait un gros tentacule, mais... Qui suis-je pour critiquer un tentacule, hein? Sans ce dérapage. D'accord. Donc pour déverrouiller les missions secrètes, c'est pas des parois qu'il faut casser ou des trucs secrets comme ça. Non, c'est des pentagrammes et des symboles qu'il faut allumer en étant à un endroit précis et en les regardant d'une certaine manière. Let's give it a try, dude. Du coup, qu'est-ce que j'ai compris à quoi moi? Ah. Bon, faut que je trouve ça, que je me mette là et que je regarde là-bas. Yes! Alors, les missions secrètes sont très rigolotes parce que c'est des petits challenges optionnels et c'est un bourrin assez monstrueux dès qu'on arrive à la moitié, ne serait-ce que la moitié des niveaux déjà. Alors, je surveille le ton, pas vous faire un stream de 5 jours. Et éventuellement, je referai une partie, mais tout le monde connaît Devil May Cry. C'était juste pour voir s'il était bien. Et puis, si cette version PC était faisait honneur à la licence. Et puis, ici, le studio qui a développé ça, s'en était bien sorti, parce que ça a quand même bien changé depuis. Hein. Ça va. Il est beau, SPP. Alors franchement, quand vous les trouvez, les missions spéciales, prenez-les. Hein, c'est vraiment trop bien. Ça vous fait plein de bonus. Souvent, vous vous ferez latter hein, dans les niveaux avancés, mais c'est vachement défoulant. C'est super rigolo. Et on y retourne. Ok, en fait c'est le bras quand il fait ça. Ok, tu pètes ton truc. Ouais. Yeah.
Moi, je dis rien, je me régale. C'est aussi simple que ça, c'est je me fais plaisir pour l'instant. Alors, est-ce que c'est une réussite? Oui. Est-ce que l'esprit des MC. Non, Devil May Cry. Oui, parce que l'esprit des MC, ça veut rien dire. Et respecter. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir changer les persos? Je l'espère. Je veux le vieux, je veux Dante. Je vous signale pour le détail que j'avais un cosplay de Dante assez monstrueux. Il y a quelques années. Est-ce qu'on reste sur cette belle image? Oui, parce que je vais maintenir du suspense. Et du coup, ben, je vais vous restreamer un autre morceau de Devil May Cry ben, quand j'aurai déverrouillé Dante, que je pourrai y jouer. On se fera le papy. D'accord? On se quitte sur cette belle carte postale. Si vous avez aimé les DMC, les Devil May Cry, je suis désolé, je dirai plus jamais DMC. Si vous avez aimé les Devil May Cry, oui. Il y a de bonnes chances que ce soit une parfaite réussite. Hein. J'ai pas encore fait tout le jeu. Regardez, je débute en même temps que vous là. Et je suis excité. Je vais éteindre le stream et je vais continuer de jouer. C'est un signe quand même. Je vous fais des bisous. Pensez à vous abonner. Surtout qu'on a la 500e de The Big Gameski qui arrive. Et il va y avoir des gros trucs, y compris des choses à gagner. Donc le 1er avril, c'est pas une blague. Soyez là, à 21h. La 500e de The Big Gameski. Ça va être fabuleux. Encore plus dantesque que Devil May Cry. À bientôt, ciao!